Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo, je m'appelle Sophie, je suis créatrice de meubles en carton et là je vais vous parler de des futurs projets pour cette année parce que j'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo. Si vous souhaitez vous pouvez retrouver le lien ici, je sais plus c'est quel côté, mais je vais bientôt réaliser des meubles en carton en kit. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ça va pas se faire comme ça en claquant des doigts parce que, si vous voulez, je vais reprendre des anciens modèles qui sont certes déjà faits, mais il va falloir que je puisse les décomposer pour les envoyer aux fabricants de meubles en carton qui ensuite, lui, va les réaliser. Il va m'envoyer à chaque fois un exemplaire. Moi, je vais le monter. Je vais vous faire, évidemment, le montage, la vidéo de montage pour que vous soyez pas perdu, hein, pas que vous ayez juste le meuble en kit. Vous aurez vraiment à chaque fois pour chaque meuble, vous aurez les explications en vidéo. Et donc une fois que le meuble sera fait, je vous le mettrai en ligne. Vous pourrez l'acheter une fois qu'il sera mis en ligne, vous pourrez l'acheter sur le site. Et puis moi il y a plein de travail à chaque fois. Ah, parce que il faut que je fasse la vidéo, il faut que je fasse du test, il faut que je fasse les photos, il faut que je fasse faut que je fasse le meuble aussi. Donc à chaque fois il y aura des choses à... Il y aura un peu de travail quoi. Bref. Et là je compte en faire une vingtaine avant de commencer le nouveau site. Et bientôt vous aurez un nouveau site qui sera quand même beaucoup plus clair et mieux agencé que l'ancien. Si vous me découvrez pour la première fois, déjà je vais vous montrer un petit peu sur mon écran d'ordinateur à quoi ressemblait l'ancien et à quoi va ressembler le nouveau. Donc là on va aller sur mon ordinateur, je vais vous partager mon écran. Alors si vous voulez, ça c'était mon ancien, le site actuel, hein, tel que je l'ai d'ailleurs recommencé une paire de fois parce que j'ai au départ fait tout toute seule. Et donc, quand on fait les choses un peu toute seule, on n'a pas forcément les compétences et du coup, y a des choses qui ne marchent pas. Hein. Vous êtes nombreux à me demander, m'écrire pour recevoir les plans des meubles en carton qui sont sur le site et qui ne fonctionnent pas. Je sais, je suis désolée, je travaille sur le nouveau et sur le nouveau, tout va fonctionner, ce sera bien fait, etc. Donc, il n'y aura plus de soucis à ce niveau-là. Donc ça, en fait, si vous voulez, c'était mon ancien site. Hein. Donc le nouveau, il sera un petit peu mieux designé. On va y aller tout de suite et puis je vais vous montrer comment ça se passe dessus. Donc là, en fait, au niveau de la page d'accueil, vous aurez tout de suite les produits qui vous intéressent. Par exemple, que ce soit B, formation de meubles en carton, vous pourrez à la fois retrouver donc le meuble en carton du paresseux, le canapé en carton, mes prochaines dates de stage et d'atelier en présentiel et pour les stages en ligne aussi. Vous pourrez aussi retrouver dans cet onglet les patrons, que ce soit le chat noir, les sièges et tables et tout ça, tout ce que vous trouviez avant, vous le trouverez aussi dans cet endroit-là. Ensuite, il y aura les meubles en carton en kit. Donc, je vous fais un petit topo sur l'entreprise DSM Carton. En fait, c'est une entreprise qui est basée à Neufchâteau dans les Vosges. Et lui, ça fait plusieurs années qu'il fait de la découpe sur mesure. Et là, je vais bientôt faire un partenariat avec lui. Je vais créer les modèles. Et lui va s'occuper de les fabriquer et de les envoyer aux gens. Donc, quoi vous dire d'autre, il travaille avec du carton fabriqué en France, qui a 60 à 80% recyclé. Et il utilise quasiment que des encres sans solvant. C'était important aussi pour moi de pouvoir travailler avec un fabricant de qualité et qui puisse nous proposer de beaux produits. Et donc là maintenant on va retourner sur le site web.
Donc il y aura une partie aussi, parce que souvent bah, j'ai des professionnels qui me contactent, et bah, il y aura une partie vraiment dédiée aux professionnels, que ce soit des journalistes, des marques, par exemple des associations ou des entreprises. Donc il y aura à chaque fois un onglet dédié pour chacun d'entre vous, hein, si vous voyez cette vidéo. Et au moins comme ça, vous saurez, vous saurez comment je fonctionne et comment on peut se retrouver si vous avez besoin de me contacter, pour que ce soit pour un projet, pour un reportage ou pour toute autre chose. Il y a un espace exclusivement dédié aux professionnels. Ensuite, bah, si vous voulez vous renseigner un petit peu sur moi, connaître ma biographie, c'est à l'endroit à propos. Donc, si vous souhaitez un petit peu me connaître, savoir ce que j'ai déjà fait, n'hésitez pas à venir faire un tour dans cet endroit-là. Et ensuite, il y aura un endroit, pour l'instant, je n'ai pas encore complètement designé cette partie-là, parce que si jamais vous achetez quelque chose, vous aurez un endroit vraiment où vous aurez l'historique de toutes les commandes, tous les téléchargements que vous avez déjà fait sur ce site, et vous serez répertorié. Alors il faut savoir que je fais toujours les choses en conformité avec la CNIL. Il faut savoir que toutes les données que forcément vous achetez quelque chose sur mon site web, vous êtes amené à donner, à écrire vos données et à les laisser sur le site. Sachez que je n'ai jamais divulgué quoi que ce soit à qui que ce soit. Tout ce qui est ici, ça reste sur mon site. Voilà, alors ensuite, vous avez ici, je vais revenir à l'accueil. Ici en haut, vous avez tous les onglets avec mes différents réseaux sociaux, hein, Facebook, Pinterest, que je viens de lancer il y a quelques mois, parce que j'ai compris comment ça fonctionne, parce qu'il faut se créer un compte pro. Ma chaîne YouTube, je pense que si vous arrivez sur ce site, c'est que certainement vous êtes tombé sur ma chaîne YouTube. Et la page WordPress, c'est là où il y a tous mes anciens articles. Alors évidemment, il y en aura d'autres par la suite. Mais vous avez tous les articles qui étaient sur l'ancien site qui sont maintenant ici. Et en bas, vous pourrez, s'il y avait un article que vous connaissiez. Là, je les ai classés par catégorie, donc vous pourrez aller facilement retrouver un des articles si vous connaissez sa catégorie, hein, si vous avez vu quelque chose qui vous a intéressé, puis mince, entre-temps le site il a changé, vous pourrez essayer de trouver ici par rapport à la date et par rapport à la catégorie. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions. Moi je pense avoir fait le tour. Évidemment au niveau des meubles en kit, j'ai fait une arborescence provisoire, mais par contre pour l'instant c'est comme ça, mais peut-être que je changerai par la suite, je sais pas encore. Je vais essayer de faire une classification la plus facile à comprendre possible. Après évidemment je reste en contact avec vous s'il y a quoi que ce soit, des demandes, des choses particulières ou des choses que vous comprenez pas. Pour moi c'est aussi un site participatif, c'est-à-dire que en fonction des remarques des gens, je m'améliore et puis j'avance progressivement sur le chemin de mon site web. Donc en général je suis assez à l'écoute des gens qui m'envoient des commentaires, que ce soit sur Facebook, dans mon groupe ou sur YouTube. Donc vous inquiétez pas à ce niveau là et je pense que j'ai fait le tour de mon nouveau site web. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en parler, à me les poser dans les commentaires. Comme d'habitude, je suis là, s'il y a des questions, je prends le temps d'y répondre. Moi, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi.
Si vous pensez que cette vidéo pourrait intéresser à quelqu'un de votre entourage ou un ami, n'hésitez pas à lui en faire part. Moi, je vous souhaite une très très bonne fin de journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.